bien, j'espère que la comme Kamel en bonne santé. Alors bienvenue dans une autre vidéo, une nouvelle vidéo les Kamel. Madame, les lipides et tout, etc. La belle et les marrages, bzef. Donc bienvenue. Il faut savoir les, c'est le deuxième chapitre biochimie, donc mais c'est comme deux chapitres, mais il a toujours les lipides. Trop le hamdoulah, blé, là ça n'a pas été avancé ou très bien. Il faut savoir blé le chapitre impossible de faire mot, blâme de faire mot les exercices. Les faire mot les exercices parce que il a marre là les exercices parce que ça sert à rien de faire mot le cours. Tu fais le cours ou bas parce que les exercices les fermes les astuces ou fermes bzaf hajat had le chapitre tu fermes les exercices mais bien sûr comme le cours tu fermes le principe on bad ndouzou haja wahda khala d'accord. Je tiens à remercier Kamel les étudiants les adboum les vidéos diaouli les tfaalou les commentaires etc. Ça se voit bien comme la volonté bch taqraou bch tlaou semestre taakom ça fait un grand plaisir ou là ça fait un grand plaisir. Bon, je te ferai que tu fais les étudiants malgré la condition sanitaire etc. Alors midi le possible d'y aller pour avoir de bonnes notes. Alors en douze les lipides bien sûr. Donc les lipides ce sont des molécules insolubles dans l'eau. À la BH JM lipo, c'est-à-dire les lipides. Oroma, c'est une source énergétique très très importante parce que déjà 1 gramme les lipides medina 9 kilocalories. Alors, nous tout d'abord, tu vois la vidéo précédente, head le module. Tu vois en général, ou je vais head le chapitre. Alors, nous en tout cas, le deuxième chapitre, c'est les lipides et les acides gras. Donc, on va comme à la symétrie les lipides et les acides gras. À la belle comprise, déjà les lipides, ce sont des molécules hydrophobes naturellement parce que déjà la présence de la membrane plasmique pour protéger la nature hydrophobique naturellement, mais relâche la cellule naturellement, d'accord, et soluble dans les solvants organiques, je m'en tape. Donc, je filtre les lipides, l'extraction des lipides, n'utilise des solvants organiques pour extraire les lipides. Alors, il faut savoir une chose très très importante dans l'importance biologique. Les lipides représentent environ 20% du poids du corps, peut-être utile pour les personnes obèses. Ils sont une source, une réserve énergétique mobilisable. 1 gramme de lipides, il met 9 kg. Calories. En plus de ça, un rôle précurseur. Je mets un rôle précurseur, mettra molécule moussaïda. Donc, comme l'exemple, tu as les vitamines. Parce que quand des vitamines, la nature de tahom d'ovnia. Donc, lipidique. Donc, la partie de d'ovnia des lipides et des vitamines, je dors l'eau, la cellule, grâce les lipides, les kainifs, la membrane d'yana. Je dis la diffusion d'yana envers la cellule. Donc, il faut savoir que les lipides moutekawina formés donc par l'union d'acides molécules d'alcool et des acides gras. Donc il y a une molécule d'alcool plus les acides gras et maintenant lipides, ok, et c'est pour cela la partie loula les hachoufou hafhed le chapitre c'est les acides gras. Les acides gras, c'est des acides monocarboxyliques, un COH1 pour l'air, c'est la partie hydrophobe, ok. C'est des acides gras saturés, ok, les mandhams double liaison, et des acides gras insaturés, les mandhams double liaison, qui est comme tu vois dans la photo, et les malheureusement, il y a plusieurs acides gras et il y a des acides par cœur, la nomenclature, la structure. La deuxième partie, les acides gras, c'est tout simplement les lipides. Donc, les lipides, c'est des lipides insaponifiables, qui sont les vitamines, qui sont les vitamines. Donc, maintenant, je vais utiliser pour produire les savons. La deuxième, je vais vous faire la partie, ok. Donc, la deuxième. Deuxième, c'est les lipides saponifiables, rabil al tasabun, maqsouma lzouj. Des lipides simples, les fihom CHO, les huma lipidat basita, et les lipides complexes comme CHO, ma'a les os, ma'a plusieurs. Alors, donc, qui m'a chifto, les lipides, ont un rôle énergétique, etc. Donc, huma formé donc, par l'union d'une molécule d'alcool, CH2OH, plus
اسيد غرا. واش معناتها هذه؟ دونك تبعوني مليح. دونك شفتو في ال شفتو عملي فات في السيت ولا شفتو بلي في لا مامرا بلازميك كاين دي ليبيد اكسيتيرا. الوغ لي ليبيد هادو كيما قلت لكم سون سي لونيون تاع دون موليكول دالكول كيما راكم تشوفوا هنا الجليسيرول هي لا موليكول دالكول اي لي اسيد غرا سي لا بارتي هيدروفوب في الليبيد هذا كامل. OK donc حنايا لا بارتي لا بلوز امبورطون اللي حنشوفوها اليوم سي لي اسيد غرا اللي هما على باز على باز هما لا باز هما لا باز تاع لي ليبيد. دونك ا بارتير لي اسيد غرا مع لونيون تاع الموليكول دالكول دوتر موليكول بيان سور يمدلنا ان ليبيد كومبلي كيما راكم تشوفوا. دونك في هاد لا فيديو اون فا ديتاي لي اسيد غرا باسكو لي ليبيد لازم تفهموا كاين بزاف لي ستوديون ما يفهموش يقول لك ليبيد 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 الوغ كو لي ليبيد هاد الشابتر مقسوم تقراو فيه تو دابور على لي اسيد غرا ومن بعد باش تشوفوا لي ليبيد اون جينيرال كاين بزاف لي تتلف لهم يقول لازم تفهموا لي اسيد غرا باش نروحوا نشوفوا لي ليبيد en général. Donc les acides gras, c'est une chaîne aliphatique de type hydrocarbure. Hydrocarbure, autre comme elle est la vidéo talique du site, hydrocarbure, matadjem hydrogène ou matadjem carbone. Donc, head la chaîne aliphatique, fiha l'hydrogène ou fiha le carbone. La longueur variable entre 2 à 38, mais les plus répandus pour l'être vivant, le nombre de carbone d'yelham entre 16 et 18. واش معناتها une chaîne aliphatique. Donc كيما راكم تشوفوا هنا une chaîne aliphatique فيها plusieurs carbones avec plusieurs hydrogènes. هذه هي la chaîne aliphatique تاع les acides gras. Donc نشوفوها en détail. Alors, les acides gras présentent des caractères communs. معناتها عندها خصائص مشتركة. خصائص مشتركة. الخاصية الأولى تاعهم سي مونوكاربوكسيلي. مونوكاربوكسيلي معناتها عندهم CH واحد. سي لا بارتي ايونيزابل. كيما راكم تشوفوا هنايا دونك CH واحد سي ما لا بارتي الفوقانية كامل هي لا بارتي هيدروفيل اللي تلصق مع الكول هذا هو CH اسمه مونوكاربوكسيلي. اوكي سي لا تيت هيدروفيل كيما في هاد l'exemple. Donc maintenant, à partir de CH, il tibda la tête hydrophile. Après, c'est une chaîne linéaire avec nombre pair de carbone. Donc jamais de sebo fiha le nombre tel les carbones impairs. Donc toujours 2, soit si c'est pas 2, 4 ou la 6 ou la 8, etc. Donc jamais de sebo impair, saturé ou insaturé en partie avec nombre de double liaison présente sur la chaîne linéaire. Ou je m'en la double liaison. Manta and comme هنايا اون دوبل ليزون تاع رابطه ثنائيه تصيبوا فيها رابطه ثنائيه. كي تكون عندكم رابطه ثنائيه نسبوه انساتوري متاع غير مشبع. واما كي ما تكونش الرابطه الثنائيه ويكون في روابط احاديه برك نسموهم ساتوري. وكيما على بالكم sur le plan de la santé, les دهون المشبعه هي اللي درنا لو موفي كوليسترول بارابور للدهون غير المشبعه. ومن بعد ندوزو نشوفو كلش اون ديتاي. فوالا voilà. Donc هاد لا شين دونك لو ماكسيموم تاع لي دوبل ليزون اللي نقدروا نصيبوهم سي 6 ماكسيموم 6. اوكي الوغ لا فورم ديالو سي CH3. دونك عندنا عندنا جهه ميثيلي CH3 في الوسط عندنا دي CH2N ان سي لو نومبر تاع الكربون CH. دونك CH2 هاد الجهه دونك ابولير اما هاد الجهه بولير وين كاين لا تيت هيدروفيل كيما راكم تشوفوا هنا وين كاين لي CO. اوكي تري بيان voilà. Donc nous avons les acides gras ont une formule semi-développée, les dihagdas, qui est CH3, CH2N, COH. Parce que demandez-vous comme, on peut comme attendre la formule semi-développée. Donc là, la différence entre la formule semi-développée et la formule développée. La formule développée dihagda. OK donc كل كيفاش هكذا امتناءات معناتها على حساب لو نقطه الكربون. دونك نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. دونك من على الجهه اللي من يجي لا بارتي لا بلو اوكسيدي اللي هو مونو اوكسيد CH ومن تجي لو ميثيل CH 3 داكور وفي الوسط يجوا لي CH 2.
Ok, mais la formule la plus demandée, les rôles comme doualé, c'est la formule semi-développée, les lazim tahfdouha. Ok, bon, cool acide gras, endo, la formule semi-développée, les lazim tahfdouha par cœur. Alors, la formule tani générale ou brute, c'est CnH2nO2. Mais il y a plusieurs formules, mais il y a en général la formule semi-développée parce que parfois si tu mets le nombre de les doubles liaisons, mais je vois le détail. Aussi, une autre écriture, c'est que nous carbone N2.X. Où je mets le N, c'est le nombre d'atomes de carbone. Ok, mais X est le nombre de doubles liaisons, les cailles fait. Par exemple, C16. Égale 0. Parfois, qui les acides gras saturés, mais ils des doubles liaisons. Par exemple, C16, donc 16 carbone, C16, 2.0, maintenant, ma cache double liaison. Mais par exemple, on le carbone 16, ando une seule double liaison, on va une chauffe. Et les doubles liaisons, mettez-les soit oméga ou la. Par delta ou la oméga. Ok, donc je vous fais le détail, mais d'être à la gauche, bien sûr, parce que je vais vous dire le con. Voilà, j'espère que vous avez la partie. Nous avons donc la partie, une autre partie. Alors, donc quand je vous la différence entre les acides gras. Donc les acides gras, ils sont قسمونا الى قسمين. Donc على حساب واش نقسموهم على حساب واش دونك داروا لا كلاسيفيكاسيون ديالهم selon la longueur ou bien le nombre تاع les carbones. Donc كاين des acides gras le nombre de carbone ديالو 16, كاين le nombre de carbone ديالو 8 etc. La présence ou l'absence تاع la double liaison. OK, كاين عندهم double liaison, كاين ما عندهمش double liaison. D'accord. Kima راكم تشوفوا هنايا. Voilà. Kima كنت تشوفوا هنا كيما هذا عنده une double liaison. Très bien. Et sa position, parce que même la position كاين اللي عندهم زعما في le 8e carbone عنده de double liaison, كاين اللي عنده في 6e carbone عنده double liaison etc. Donc je vous hâte le détail. Alors la première partie c'est les acides gras saturés. Saturés, el mouchabba. Donc, la formule pour le dialogue, c'est CnH2nO2. OK. La formule semi-développée, c'est CH3-CH2nCOH. Donc, on va le voir en détail. Le Mendhomsch, bien sûr, une double liaison. Donc, dire CN0. Par exemple, l'acide butyrique. Et l'acide palmétique. Ok, qui m'a palmétique, qui m'a collé que l'huile de palme, etc. Allez, on roule comme d'où le mouchabba, mais je m'y ai pour la santé, ou malidouna le mauvais cholestérol, les maladies cardiovasculaires. Allez, parce que ça va être la température, les acides gras saturés à éviter, donc à une. Concentration dans la le corps, il y a comme des problèmes cardiovasculaires, etc. Nous avons le deuxième type, c'est les acides gras insaturés. Ok, les acides gras insaturés ont une ou plusieurs doubles liaisons. Quel est le zouj, quel est le tlata, quel est le roba, quel est le voilà, ça dépend. Quel mono ou la polyinsaturée. Donc, alors comme la biologie, tu as fait je mettre un mono poly. Donc, mono, quel est une seule double liaison. Poly, donc plusieurs, mazouj, tlata, raba, etc. La position de la dernière, de la première liaison, pardon, peut être soit nhsbouha, mais le premier carbocyte, donc on fait comme je m'en ai dit, donc tu peux me dire. Donc on voit comme qui fait nhsbouha les doubles liaisons. Quand on comme hnaya, la double liaison, qu'est-ce qu'on jibdouha? Soit on bdaou nhsbou, mais le premier carboxyle, le COH, ونرمزو لها بدلتا سواء نحسبوها من هذا لا بارتي ميثيلي اللي هي CH3 ونرمزو لها باوميغا. اوكي دوك تفهموا باغ اكزومبل هنا بالبور الاوميغا هنا زعما باغ اكزومبل هنايا C18 3 اوميغا 3 واش معناتها عندنا 18 كربون عندنا 3 دوبليزون الاولى كامل بدات في
troisième carbone. Par exemple, là, donc on dirait vite fait, CH3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. COH. Donc, on va faire le calcul. Donc, 1, ici, 2, ici, 3, ici, 4, etc. Donc, troisième هنا كانت عندها une double liaison هاد l'acide gras. Donc, درنا هكذا C18 3 هنا زعما 3 اوميغا 3. مي par exemple على 3 capable نزيد نصيبو في 5e و capable نصيبو في 7e etc. هنا ما نحس في كيكون يقول لك عطوها لي بالاوميغا ما تمدولوش بلي في 9e كاين في 7e كاين. دونك تقولوا له باك بلي كاين 3 double liaison اوميغا وتبدات في 3. هذا ما كان. Donc 3 هنا c'est la position de la première liaison à partir de CH3. Le deuxième type le plus demandé c'est هذا بالدلتا. C18 c'est le nombre de double liaison. 3 معناتها كاين 3 double liaison. Oméga 9 puissance 9 12 15 معناتها في 9e carbone كاين double liaison, في 12e carbone كاين double liaison, في 15e carbone كاين double liaison. Par exemple, on va faire un peu comme ça, CH3, alors, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, COH. Nous allons faire cette chose maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça. Donc, le 9e, كانت 10, 11, 12. Donc, le 12, كانت 14, 15. Donc, le 15, كانت. Voilà. Donc, nous allons faire le delta, nous allons faire le hagda. Et nous allons faire le oméga, nous allons faire le hagda. Ok. Hna, à la bia, درنا C18. C18, oméga, et في 9 ou في 12. Ou le 15, quand il y a une double liaison. Voilà. Donc, delta, c'est la position de la première insaturation à partir du COH. M9 ou 12 ou le 15, c'est la position de la double liaison. Je vous donne un autre exemple qui m'a dit comme tu vois. Il y a un C16. C'est l'acide palmitoléique. C'est l'acide palmitoléique. Bon, quand je vous donne نطيحو في لا 7e كربون عنده دوبل ليزون. لو كان نجيو نحسبو منها دونك نكتبو C16 اون سول دوبل ليزون اوميغا 7. بصح لو كان نجيو نحسبو منها انا نقول لكم لا بلو ديموندي سي دلتا. راني نقول لكم لا بلو ديموندي سي دلتا. نجيو نحسبو منها نطيحو في 9. دونك ديرو C16 اون سول اوميغا 9. هذا ما كان. Ok, j'espère faire tout à la partie. Donc, on va détailler les acides gras insaturés. Je vous fais un camel, vous la différence bien attendu parce que quand il comme qu'un mono, qu'un poly, etc. Alors, donc les acides gras insaturés, les acides gras donc insaturés. On a des acides gras mono insaturés, bi insaturés, tri insaturés et tétra insaturés. Donc double mono insaturé. La formule brute. Général théo, on dit le CNH2N-2. O2, on écrit hagda. Donc, on écrit le zouj. On écrit le zouj parce qu'on a une double liaison. La formule semi-développée dit hagda. CH3, CH2N, par exemple, 12 ou là. CH, double liaison, CH, CH2. Donc, toujours entre CH et CH, on a une double liaison. Il dit mon là, CH2. Par exemple, l'acide oléique, on a C18, une seule double liaison. Delta 9, mettez le 9e carbone, on a une double liaison. Donc, on a le candidat de Hasbo C8 H34 O2.
Donc là c'est C18H34O2. Le candidero 2 fois 18, normalement c'est vos 36. Avec 36, nous avons 2, tu as la double liaison, tu as 34, ou tu as la formule brute, dialo agda. Pour les acides gras bi-insaturés, tu as double liaison, zouj les double liaisons. La formule générale, dialo, c'est CNH2N-4. Moins 4, parce que bi-insaturé, O2. Par exemple, l'acide linoléique, donc nous allons voir en détail. Fait C18, il y a 2 delta puissance 9 et 12. Mais 9e carbone, 12e carbone, gain une double liaison. Voilà. Ou là, textbook avec la C18H32O2. Donc, dero 18 fois 2, ou dero moins 4, ou dero 32. Qui mène à l'acide linoléique et oléique, presque la même chose. Chauffe, on a un dossier 18, et on a un dossier 18. La différence, bien sûr, on a une double liaison. On a un dossier 2, on a un dossier 1, on a un acide gras triinsaturé, un de trois double liaisons, ou ce mot l'acide gras linolénique. Chauffe, linoléique ou qu'un linolénique. Linolénique est un de trois double liaisons. La formule brute, la formule générale ou bien la formule brute dialo, c'est CNH2N-6 parce qu'un de l'état O2. Donc, c'est C18, un de trois double liaisons. Delta, un de 9e ou 12e ou 15e carbone, un de des double liaisons. La formule brute générale Diallo, donc c'est C18H30O2. Voilà, parce que déjà de moins 4, il y a 32, il y a moins 6, donc 30. Donc, je vous parle de la différence entre 18 carbone. Je vous la différence entre les deux. Donc, il y a 18 carbone. Il y a 18 carbone, mais il y a une seule double liaison, il y a 12, il y a 3. Donc, acide oléique, il y a une seule double liaison. L'acide linoléique, léique, il y a deux double liaisons. Et linolénique, il y a trois double liaisons. Faites attention. Le dernier site les acides gras, c'est tétra-insaturé, tétra donc 4. C'est la formule générale d'IALO, c'est CNH2N-8O2. Qui m'a l'acide arachidonique. L'acide arachidonique, c'est C12, 2.4 double liaison, 5e ou 8e ou 11e ou 14e carbone. Kane double liaison. Donc, quand j'ai comme une partie, mais vous la plupart des étudiants, c'est que bien sûr, qui est Hafdo, c'est cette partie. Et comme un tableau à apprendre, alors par cœur, qui m'a comme tchoufou, que l'acide gras, ando le formule générale Diallo, ando le symbole biochimique, c'est-à-dire qui m'a naya c'est qui m'a fait comme c'est CN2.X ou ni tbeino le nombre tel carbone ou tbeino le nombre tel les doubles liaisons. Tahfdo kamel les noms comme un diawlhom parce que vraiment tahel comme lazem tahfdo. لازم تحفظوه alors لازم هنا باش نفهمكم كيما قلنا la formule brute générale تاع les acides gras monoinsaturés parce que هادو c'est les acides gras saturés نبداو بالساتوري pardon saturés la formule générale ديالهم c'est C donc نكتبها c'est CNH2NO2 voilà. Mais les acides gras monoinsaturés, maintenant ils ont une saturation, c'est CnH2n-2O2. Ou les polyinsaturés, donc quel واحد qui fait qui m'a هنايا linoléique, عنده deux double liaisons, donc on dit que c'est CnH2n-4. Hada, عنده trois double liaisons, c'est CnH2n-6. Ou hada, CnH2n-8. Voilà, très bien. Donc, hado, les entrafdorons par cœur. Qui m'a par exemple, bon, les tehobzef, les vraiment tehobzef, c'est l'acide butyrique.
c'est l'acide palmitique. هنا في لي ساتوري سي لاسيد اراشيديك كتشوفو هنا اراشيديك واراشيدونيك اراشيديك ساتوري عنده سيفا اراشيدونيك شوفو ترابط بيناتهم اراشيدونيك عنده سيفا بصح عنده كات دوبليزون ريغاردي اراشيديك واراشيدونيك هذه هي لا ديفيرونس بيناتهم شكون تاني ستيريك تاني يطيح لينيوسيريك لينيوسيريك تاني بزاف يطيح لينيوسيريك دونك Voilà. Kaim bzaf li عندهم C18. Regardez, kaim bzaf li عندهم C18 kima stearique bsah wa saturé, kaim oléique عنده une seule double liaison, linoléique tani عنده deux double liaisons, da عنده trois double liaisons. Chofou le taqarub bainatihom. Stearique wal oléique wal linoléique wal linolénique. D'accord? Wahed bark saturé w wahed عنده une seule double liaison, hada عنده zouj, hada عنده Donc faites attention. Bon, je ne sais pas, est-ce que je n'ai tout fait avec le petit bac bien acteur, mais voilà. Donc, lazem tahafdou la structure chimique dialhom, lazem. Il y a de préférence d'aoudou t'ktibou n'touma bitkom, parce que sincèrement, par expérience, qui wahdi aoudi ktib, yahkem le tableau aoudi dirou houwa, ou lazem yishfa, ou idir fluorescent, ou yishfa, parce que kem bzef li andhom une mémoire des yeux, la mémoire des couleurs. Personnellement, andi la mémoire des couleurs. تمات تحدي له بالفلوريسون لا 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 بوزيسيون تاع دوبليزون باش تعرفوا ترسموا باسكو طيح لكم بزاف هادية شغل امبوسيبل في الاكزام ما حش يمدوا لكم هاد لا ستركتور كيميك سيمي ديفلوبي ديروها اوكي دونك ما كاينش هكذا زعما اون ميثود نفهمكم بها ولا بس ابروند برك هنا باغ اكزومبل لاسيد باغ اكزومبل اوليك سي اش 3 سي اش 27 لازم تعرفوا كيفاش ديروه liaison wahda mada double liaison CH CH toujours que tu fais entre CH et CH kain une double liaison oui dis moi là CH2 toujours entre CH CH kain une double liaison d'accord voilà très bien donc nous tout quand tu fais les propriétés chimiques tu les acides gras tu fais rana كل مازالنا كلش في الاسيد غرا Donc, j'espère que vous avez compris ce qui fait que vous avez oublié les pistes, mais vous les acides gras sont à la base les lipides. Mais attendez, pardon. Avant de faire les propriétés chimiques, nous avons un petit briefing sur les acides lipides. Attendez. Par exemple, donc les acides gras saturés. Les acides gras saturés, les marofines bzef, c'est l'acide palmitique, l'acide stéarique. Pareil que la formule semi-développée d'Yalom. Donc, palmitique, c'est le principal produit de la synthèse des lipides de nos cellules, abondant dans toutes les graisses. C'est un excellent aliment énergétique utilisé pour la fabrication des margarines et des palmitiques. Ou bien les savons durs. Comme il faut éviter les acides gras saturés, surtout les rares nutritions, donc il y a ce mot les notions. Ok. Et comme l'acide stéarique, donc c'est saturé, un constituant principal dans la fabrication t'as les bougies et les savons. Donc, les rares savons, qui ont été à la maison, les dérouvibables, l'acide stéarique, c'est les plus utilisés, ou le palmitique. Nous, en tout cas, les acides gras insaturés, adna palmitoléique, c'est C16, ando une seule double liaison, ando 9, la double liaison radic, l'oléique, ando les marfim bzef, le plus abondant des acides gras à chaque langue dans notre organisme, c'est bon bzef huile d'olive. Huile d'olive, donc oléique par rapport à l'huile d'olive, oléique, huile d'olive, donc c'est beau, c'est la base de l'huile d'olive, donc la base de l'huile d'olive, c'est l'acide oléique. Aussi, il est utilisé pour la fabrication des savons, qui est des savons à base d'huile d'olive. Voilà. C'est juste un petit briefing. Polyinsaturé, c'est-à-dire là, dans plusieurs double liaisons. Apparaissent ma zouch, tlat, arba, ne sont pas synthétisés dans l'organisme, donc les mnaklohom, bishinjibohom, bien sûr, donc apportés par l'alimentation. Kima l'acide linoléique, retrouvé dans les huiles végétales, essentielles à la formation de la barrière imperméable de la peau. Donc, c'est encore pour la barrière de la peau. Diana, voici l'acide linoléique qui m'a comme tu vois là, ando double liaison 9e et 12e carbone. Ando deux double liaisons. Voilà.
اسيد لينولينيك، شوفوا التقارب بيناتهم. الاسيد لينولينيك قلت لكم عنده 3 دوبل ليزون في النافيام وفي الدوزيام وفي الكانزيام، دونك نصيبوه في بزاف لي زويل دو بواسون. اوكي، الاسيد اراشيدونيك اشن لونغ غوتروف اشن لونغ غوتروفي دون لي زويل فيجيتال تاني. OK, l'acide arachidonique, leur dérivé sous l'action de phospholipase, prostaglandine, prostacycline, leucotriénement. Et dans le bzaf la procédure de l'inflammation, c'est toute une histoire. Bon, je ne sais pas trop qu'on fait à bzaf. Donc il est indispensable pour notre organisme l'acide arachidonique. Voilà.